en dehors des exercices de tenue, il y a aussi les exercices d'intervalle. Donc, je vous propose l'exercice de tierce d'abord. L'intervalle de tierce, c'est l'intervalle entre trois notes. Donc, do, ré, mi. Donc, de do à mi, nous avons l'intervalle de tierce. Voilà. Regardez comment ça se passe. Cela, le doigté, ça revient. Je change. Je monte. Voilà, comme ça. La rapidité vient automatiquement. De plus en plus, je travaille d'abord lentement pour obtenir une bonne précision et tout, pour accélérer après. Voilà, si vous voulez. Voilà, la rapidité vient automatiquement. Donc, toujours avec les tierces, pour faire ça. Donc cet exercice, comme l'exercice de tennis, ça crée l'indépendance entre les doigts. Maintenant l'exercice de cartes. Cartes, nous avons deux jusqu'à fa. Je dois déjà 1, 4, 1, 5. 1, 4, 2, 5. Voilà. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. À la main droite. 5, 2, 4, 1. À la main gauche. Alors, je continue même. Hein, aller même jusqu'à notre octave. Voilà, ça dépend de vous. Voilà. Et puis, à part ça, vous avez encore ça, toujours avec les 4. Sol. Voilà. En dehors des 4, je propose encore le quinte. L'intervalle de 5 notes. Voilà, nous avons encore ça. Voilà. En dehors de 15, je vois que l'intervalle de 6. Voilà. Voilà, je recommence avec le sixth. Avec le sixth, je vous propose cet exercice. D'abord ça. Voilà, vous avez.
y a un jeu avec les doigtés, donc j'ai 5, 2 et puis 4, 1. Parfait. Ça, le petit jeu. Avec la main droite, même chose. Quand le doigté, j'ai 2, 1 plutôt, 4 et puis 2, 5. Voilà, comme ça se passe. Travaillez autant que vous pouvez pour avoir une bonne maîtrise de l'exercice. Toujours avec le sixth, je propose ça. Après les sixtes, je propose l'exercice d'octave. L'octave, voilà. L'octave. Ah. Soit voilà ça avec les touches noires, les doigts changent quand on voit ça. Voilà, on a dit si j'ai 4, 1, ici 1 et puis. Un peu 4, c'est ça avec les touches noires. Voilà. C'est comme ça que ça se passe.